Bonjour à tous. Alors bon, j'ai déjà parlé de cette période d'obscurantisme que nous traversons un petit peu, vu les circonstances économiques et politiques et militaires graves que nous traversons tous en ce moment. La culture, est-ce qu'elle est accessible? Est-ce qu'elle n'est pas réservée à certaines personnes? C'est cher la culture. Il faut être initié à certaines sciences, à certaines sagesses. Il faut du temps, qui est aussi de l'argent, pour l'étudier. J'admire les personnes qui font beaucoup d'art, accessible, gratuit. J'admire ça. Ce que je n'aime pas, par contre, là-bas, dans ces trucs prétendus, accessible à tous, la culture, c'est qu'il n'y a pas de recherche vraiment. On n'explique pas aux gens ce qu'ils ont à comprendre. Les artistes font des efforts, mais c'est pas aux artistes de le faire. Les artistes font de l'art. Donc les artistes le font, mais c'est pas vraiment à eux de le faire. Par contre, ce que j'aime pas trop, c'est que ces gens-là se croient dans la mondanité. Mondanité. Mondénité, c'est un mot qui signifie aussi, en plus du monde qu'il y a, et ces personnes sont des belles personnes. Malheureusement, c'est pas comme à la télé. C'est pas le festival de Cannes, on est bien d'accord, là, c'est la mondénité. La fête des voisins. Même s'il y a de la musique, un DJ ou tout ce que vous voulez. C'est bien gratuit, ça fait plaisir. Les réseaux sociaux pour voisins, c'est pareil. Qu'est-ce que ça va apporter? D'être en ligne avec son voisin. Si on a quelque chose à dire à son voisin, on peut y aller directement. Donc les gens ont peur du contact. Ils se réfugient derrière des images, des apparences. En réalité, tout ce qu'ils veulent, c'est communiquer, mais sans se déplacer quelque part. Et les réseaux sociaux, la télévision, la technologie, la guerre de l'image, toutes ces choses-là déshumanisent les gens avec le mondialisme. C'est encore pire parce que même la culture n'a plus de forme. Vraiment, on a fait de l'abstrait, mais on en a trop fait, par exemple. Maintenant, sur une tâche, ah, ah, quelle merveille! Vous voyez, un petit peu. Ça aussi, il y a des opposants, enfin, qui ne veulent pas financer ça. Les citoyens ne vont pas financer ça non plus. C'est gratuit ou c'est pas gratuit. Choisis. Le fait de l'art. Donc, la culture, oui, la réponse à la rhétorique, c'est pas une rhétorique, puisque je donne la réponse, oui. La culture est chère.